Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, sachez que vous avez fait un très très bon choix. Cette vidéo je la fais à la va-vite. Pourquoi? Parce que c'est juste une mise au point on va dire. Ce qui me dérange à propos de boulot, ce qui me pose des questions concernant le boulot, sachez que le boulot ici en Russie, c'est simplement le chantier. Tel que je suis là, bien évidemment, je suis dans un chantier bien sûr en train de peindre ces murs. Je mets la peinture, on va dire, sur ces murs. Pourquoi? Parce que il n'y a pas un autre boulot carrément. Certes, la loi a été modifiée. Certes, tout est bien modifié. Mais ce n'est pas encore entré en vigueur. Et il y a pas mal de personnes qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, font toujours le même boulot. Donc, ne croyez pas tout alors que ce que vous écoutez. Un peu par-ci, un peu par-là. La vérité est telle que bon nombre d'entre nous se retrouvent dans le chantier. Sur cette chaîne, ça fait vraiment un moment, je vous ouvre, on va dire, la vérité, le livre, on va dire, de la vérité, pour vous montrer ce qui est réellement la réalité. Ne vous faites pas réellement avoir par de paroles séduisantes, par de promesses viles qui ne valent absolument rien. Alors, tel que je suis là, je suis dans un chantier, vous pouvez même le voir derrière moi, c'est la peinture que je suis en train de mettre. Donc je pourrais réellement être bien saupoudré même par quelques éclats de peinture. Donc j'ai la combinaison avec moi, comme vous le voyez. Donc c'était simplement une petite mise au point. Je voulais le faire, en tout cas sans filtre, cette vidéo bien sûr, pour montrer la vérité, pour que la vérité éclate au grand jour. N'hésitez surtout pas à liker, à laisser des commentaires, vos questions en commentaire surtout. Et en fait, ça là, c'est un boulot réellement pour le garçon. Pour les filles, il y a encore la tresse et la limite, on va dire. La limite, c'est presque la prostitution parce que c'est familiarisé avec des hommes qu'on ne connaît pas, que vous ne connaissez pas, pour de fins obscures un tout petit peu. Ça frise, on va dire, ça frise la prostitution, ça frise, on va dire, les dangers. Et soyez-en sûr, quand vous venez ici, là, venez comme un boursier. Ne venez pas comme contractuel en vous mettant dans la tête de vile promesse, genre vous allez travailler, vous allez vous en sortir ici. C'est archi faux, archi faux. Vous risquerez de gâter votre vie pour rien. Alors, si moi je me retrouve dans ça, c'est parce qu'il n'y a pas assez le choix. Il faudra nouer les deux bouts de moi pour essayer de s'en sortir dans des situations un tout petit peu difficiles aussi. Il faudra vivre. Donc voilà, portez-vous bien. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je suis même en sueur, donc c'est sans filtre. Je n'ai pas voulu apprêter n'importe quoi pour que vous voyez que tout est beau. Non, derrière moi, il y a un échafaudage. Donc là, c'est la peinture que je suis en train de mettre. Sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.